À l'instar d'autres pays, l'Algérie commémore pour la 11e fois consécutive la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. L'objectif principal, promouvoir la culture de la sécurité dans les lieux de travail. Le principal objectif de cette journée consacrée par l'Organisation internationale du travail à la construction d'une culture de prévention vise à sensibiliser davantage tous les intervenants en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail. Selon le secrétaire général de l'UJTA, Abdelmajid Sidi Saïd, cette journée s'inscrit dans le cadre de l'importance de la médecine du travail quant à l'épanouissement du travailleur. Nous devons comprendre que la santé du travailleur à l'intérieur de l'entreprise, c'est la survie de l'entreprise. Sans la santé du travailleur, point d'entreprise. Alors que la médecine du travail aujourd'hui est pratiquement un élément important dans l'épanouissement du travailleur. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail met l'accent sur la prévention du bien-être des employés. C'est très important pour nous en Algérie de s'occuper donc des risques professionnels. Nous avons un tissu industriel très important, donc beaucoup de travailleurs exposés aux risques. Cette journée permettra d'informer et de sensibiliser aux différents accidents et maladies liés au travail.